Bonjour, donc je suis Arnold Ferlin, le directeur industriel de Caranova. Alors Caranova est une start-up innovante. Nous sommes dans le dispositif médical et la chirurgie de la cataracte. Nous développons une machine laser innovante, un robot chirurgical qui permettra d'opérer donc la cataracte d'une nouvelle manière, d'une manière beaucoup plus précise, plus rapide et plus efficace. Le Femtomatrix donc, est une machine robotisée innovante pour la chirurgie de la cataracte qui est constituée de systèmes optiques, de systèmes d'imagerie qui permettent de voir l'œil en coupe pour identifier les zones à opérer. Nous avons un laser à l'intérieur. Nous avons un ensemble de capteurs et d'actionneurs qui permettent de déplacer des éléments des uns par rapport aux autres. Et également, bien sûr, un bras robot afin de positionner une tête de traitement au plus proche du patient de manière à pouvoir se rapprocher de l'œil le plus possible. Alors pour le patient, une machine plus précise signifie l'accès à des implants de nouvelle génération. On est dans la cataracte. L'opération consiste à, au final, mettre dans l'œil du patient un petit implant qui lui permettra de voir, de voir mieux qu'avant. Et donc l'accès finalement à une machine qui est plus performante et bien plus précise permet d'accéder à ces implants de nouvelle génération et ça permettra finalement au patient de voir mieux potentiellement que ce qu'il n'a jamais vu de toute sa vie pour des patients qui ont 60-70 ans. Au-delà de ça, la machine apporte de la rapidité, de la simplicité et de la sécurité pour le patient. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout de l'histoire pour mettre sur le marché la machine la plus performante et la plus sécurisée du marché. Nous sommes une société très innovante et au-delà des collaborateurs qui constituent notre actif le plus stratégique, ce sont vraiment les data qui sont très importantes en matière de gestion stratégique. Les données, ce sont les données issues de la conception, c'est tous les rapports que nous pouvons produire, tous les résultats de tests que nous pouvons avoir. Il est très important de pouvoir sécuriser ces données et éviter que qui que ce soit d'extérieur y ait accès. Un attaquant qui rentrerait sur notre machine pourrait dégrader son fonctionnement, pourrait capter de la donnée confidentielle, de la donnée patient. Nous souhaitons vraiment lutter activement contre ce genre de risque. En travaillant avec un ensemble d'experts de la cybersécurité, la région nous aide dans cette dynamique et a été un levier pour nous permettre d'accéder à un test, un audit de cybersécurité au cours duquel le prestataire a essayé de pénétrer nos systèmes de façon exhaustive. Le sortant de ce type d'étude est un plan d'action qui nous permet de pouvoir corriger les défauts qui ont été identifiés. Je pense que la menace est croissante. Aujourd'hui, nous voyons de nombreuses entreprises et produits se faire attaquer. Les objets connectés, les voitures connectées. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde connecté et technologique. Et donc, chaque équipement qui est interconnecté en réseau doit être bien protégé.